sa louange. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir, partager la parole de Dieu ce soir. Notre thème, comme vous le savez, qui a commencé depuis le premier jour, et je suis convaincu qu'il y a eu des révélations en ces lieux qui ont édifié et qui ont fortifié et par lesquelles Dieu a agi. Amen. Quelqu'un était là dans la semaine, il a été béni. Quelqu'un était là. Gloire à Dieu. Et ce soir, on pourra ajouter un élément qui pourra certainement aussi nous édifier. Amen. Alors, le texte de base, c'est dans Genèse chapitre 32. Le thème, c'est « J'ai vu Dieu ». Comment ? J'ai vu Dieu face à face. Cette déclaration fait un peu polémique au milieu des théologiens parce qu'ils se disent, mais comment cela est-il possible? Alléluia. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Genèse chapitre 32. Alors je commence à partir du verset 24. J'espère que tout le monde entend ma voix quand même. Au fond là-bas, quelqu'un entend ma voix. Gloire à Dieu. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Il est important dans la vie de savoir qu'à un moment tu demeureras seul. Que tu le veuilles ou pas, il arrivera dans ta vie un moment où tu vas demeurer seul. Parce que ta vie n'est pas forcément liée à la foule. Ta vie est liée au plan de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Et ce soir, je voudrais juste insister sur un élément important et capital dans ce texte. C'est l'importance de la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. Voilà. L'importance de la présence de Dieu dans nos vies, dans notre marche de tous les jours. Jacob est dans la présence de Dieu et sa vie change. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ce face à face-là, il ne faut pas demander à Jacob c'était comment. Lui seul sait. Nous, on ne peut pas imaginer parce que Dieu est esprit. Alléluia. Nous, en tant qu'humains, quand un homme dit face à face, nous sommes tous mbouz ou nambouz, vous êtes elongi na elongi. Parce que nous, dans notre esprit, nous avons une forme anatomique de la représentation et on se dit quand c'est face à face, certainement, Mouné Longin Zambé, Zambé pas Mouné Longinaï. Or, Dieu est esprit. Alléluia. Zamba tellement esprit que, au commun à mon pépé, il y a face à face. Il y a face à face. Au commun à Peliboko, il y a face à face. Au Mouné Longin, Dieu est esprit. Dieu est ton voisin, Dieu est esprit. Hein? Dieu n'est pas visible, il n'est pas palpable, il n'est pas tangible. Alors, quand tu penses à Dieu, ne te représente pas un visage avec des barbes blanches, avec des yeux, avec des oreilles, avec la bouche. Tu es déjà à côté. Dieu est esprit. Dieu est tellement esprit que tu peux être en face de lui sans voir son visage. Mais tu es en face de lui. Alléluia. Et donc, le sens du contexte ici qui peut nous aider à comprendre le face-à-face, c'est le concept qu'on appelle la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. Alors, je vais dire en peu de mots, c'est quoi la présence de Dieu?
quelle est notre part, notre responsabilité par rapport à la présence de Dieu et quels sont les bénéfices de la présence de Dieu. C'est ce que je vais dire ce soir pendant les quelques minutes et on va prier, on va adorer, on va se séparer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Ça, c'est la première information qu'on doit savoir. Jacob reste seul. Et là, il reste dans la présence de Dieu. Et quelque chose se passe dans sa vie. La présence de Dieu n'est pas liée à une adresse physique. Il n'y a pas un endroit où si tu entres dans la présence de Dieu. Non. Il n'y a pas une adresse avenue Ruzizi, numéro 3, où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu est une réalité spirituelle. Quelqu'un dit Amen ce soir? Ça signifie quoi? Ça signifie que parce que Dieu est esprit, sa présence est un élément absorbant. Ça signifie partout où Dieu se trouve. C'est-à-dire la présence de Dieu, c'est partout où Dieu est présent. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? La présence de Dieu, c'est partout où Dieu est présent. C'est-à-dire, c'est un élément absorbant. Ce qui nous a commis place, mon rouboui, place, on est commis présence, naïe. Moïse a dit un désert pendant 40 ans, le même endroit qu'il avait l'habitude de visiter. Il était là. Même les feux qui sortaient du néant, il était habitué parce que naba moyen orient kuna ba moyi moreza ra compliqué. Ça fait que babilo ba zamba zika pam pam. Sauta les même na France 24 zamba moreza ki kota Australie. Voilà. Donc, ma moto a bon rebimanango. Mais je vois les amis moi différents parce que le problème est que moto est au pays là, mais c'était au cicaté. Un des problèmes, si vous voulez. Non, je vais me détourner pour voir. Et lorsqu'il se détourne pour voir, Dieu lui a dit attention, le lieu où tu es est sacré. Tu as eu l'habitude d'être ici, mais cette fois-ci, c'est absorbé par ma présence. Dieu est esprit. Et donc la présence de Dieu est une réalité spirituelle. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ça. Ce qui fait que tu peux être ici à l'église dans la présence de Dieu. Mais d'autres aussi peuvent être dans l'église, mais en dehors de la présence de Dieu. Ah ouais. Lorsqu'on sort ici, on sort du temple, mais on ne sort pas de la présence de Dieu. Tu peux être dans ta voiture dans la présence de Dieu. Tu peux être dans ton bureau, mais dans la présence de Dieu. Tu peux être dans l'arrêt de bus, mais dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est une réalité spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Quelqu'un comprend ça? Dieu est esprit. Dieu, on ne peut pas le cerner. Dieu est esprit. C'est-à-dire, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le commencement l'a trouvé Dieu. La fin le laissera Dieu. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le commencement là, ce n'est pas le commencement de Dieu. C'est le commencement du commencement. C'est-à-dire, Dieu était en dehors du commencement. Et il a ordonné que le commencement commence. Quelqu'un peut dire Dieu. Dieu est esprit. Tu vois Dieu quand il te voit. Quand Dieu te regarde, il voit ton visage, il voit aussi ton dos. Il voit ton dos. Il voit la tâche là que tu as derrière ton dos. Dieu est esprit. Dieu, quand il te regarde, mais quand Dieu te regarde, il voit ton corps, il voit ton âme, il voit ton esprit. Dieu est esprit. Quand Dieu te regarde, il voit des choses que toi-même tu ne vois pas. Et quand Dieu te regarde là, il voit ton estomac, il voit ton foie, il voit ton intestin,
il voit ton cœur qui bat. Des choses que tu ne verras jamais, Dieu les voit facilement. C'est pourquoi il ne faut pas limiter Dieu en fait. Dieu est esprit. Dis à ton voisin, Dieu est esprit. Ah. Lorsqu'on dit j'ai vu Dieu, la première réalité, frères et sœurs, c'est la réalité de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Deuxième chose, quelle est ma part de responsabilité par rapport à la présence de Dieu? Alors, l'homme a la responsabilité de réaliser la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire réaliser. Hein? L'homme a la responsabilité de réaliser la présence de Dieu. Réaliser, c'est être conscient de la permanence de la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce qu'on appelle réaliser. Réaliser signifie ne pas oublier Dieu où que tu sois, quoi que tu fasses. Réaliser signifie se rendre compte partout où tu vas, que là où je suis là, Dieu est avec moi. Réaliser signifie activer la conscience de l'alarme du Saint-Esprit qui te rappelle à chaque pas de ta vie que tu n'as jamais été seul et que Dieu est là avec toi. Quelqu'un peut dire réaliser. C'est pourquoi lorsqu'on entre au culte, le modérateur nous dit, bien-aimé, réalise la présence de Dieu. C'est ça notre responsabilité. C'est pourquoi il y a des gens qui se comportent à l'église de la même façon qu'il était à l'auditoire, au marché, en marchant, dans sa famille, avec les amis. Nous, on adore Dieu. Lui, il est en train de consulter Facebook. Il est en train de répondre à un message WhatsApp. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore atteint un niveau où il réalise la présence de Dieu. C'est ça le problème, frères et sœurs. Nous sommes tous à l'église, mais on ne réalise pas de la même façon. Je voudrais ce soir, lorsqu'on sortira de ces lieux, que nous puissions être conscients de ces choses et que nous puissions avoir la capacité de réaliser. La présence de Dieu est une réalité spirituelle. C'est pourquoi l'homme a la responsabilité de réaliser la présence de Dieu. De ton voisin réaliser. Modérateur Baloba Ngominge, frère, réalise présence ensemble. Réalise la présence de Dieu. Là, tu ne comprends même rien. Ça signifie quoi? Réalise la présence de Dieu. Réaliser signifie être conscient. Kebisika na Zaliao, Zambe ya Lola, créateur du ciel et de la terre, Azaliao. Et toute notre capacité dans la présence de Dieu, dans les choses de Dieu, toute notre différence dans le culte dépend de notre capacité à réaliser. Mon frère, je t'en supplie, lorsque tu entres ici, essaie d'oublier certaines choses. Tu n'es pas au coin de ton avenue. Tu n'es pas venu rendre visite à un ami. Tu n'es pas venu nous prouver comment tu es belle, comment tu es bien habillée. Tu n'es pas venu faire semblant de quelque chose. Tu es venu dans la présence du Créateur du ciel et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ta capacité à réaliser la présence de Dieu détermine la profondeur de ta louange, de ton adoration, de ton service et de ta manière de faire des choses. Parce qu'il y a des gens qui viennent, surtout dans des cultes de jeunes, ils entrent là, ils boudent tout le monde. Donc quand on dirait soirée, na y a ce star banda osé là. Azo boudé. Bah il dit c'est non frère Ofanda, il habite en Ofanda suka. Bon, bata suka te na bi puna binote. Na lo ba église au kuna quoi. Fanda goto te na Ofanda. Nous allons bénir Dieu. Azo bénir te. Tu mets ma bogo, ne balaxi bison en président. Bête ma bogo, na système à boy. On va chanter, il ne chante pas. On va danser, il ne danse pas. Zemba rolé, azo elate. Yaro seka, azo segate. Yaro bin, azo binate. Offrande, azo pesate. Oyagi gosala, nim. Mais le jour où tu vas réaliser, quelqu'un peut dire réaliser.
Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à la présence de Dieu, notre responsabilité en tant qu'humain, c'est de demander au Saint-Esprit, aide-moi à réaliser. Il y a certains endroits où tu n'entreras pas si tu réalises la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne diras pas de ta bouche si tu réalises la présence de Dieu. On ne va même pas t'exhorter. Il y a certains péchés que tu ne feras pas si tu réalises la présence de Dieu. Oso quoi y a trop pour oso réaliser tes. Alléluia. Y a un gars ici, moi, nous sommes sur un ciment. Pourtant, nous sommes adorés, mais nous sommes sans âme. Yo, que moi, pémé, nous sommes sans âme. Yo, que l'on a mis sans âme. Oso, ou, mais là, nous sommes sans pardon. Nous sommes avancés dans l'onction. Dis à ton voisin, réalise. Notre responsabilité face à la présence de Dieu, c'est de réaliser. Réaliser, Zali, on va n'a pas le kaboye, on le kaye n'a pas tout le temps, on va dire, c'est à Yopé. Après, ben, il dit, on va dire, on va dire, tout le temps, premier ministre, c'est à Yopé. Bien, on a réalisé, tout le temps, on a dit, on va dire, au bête son de bête Yohana. Rongoulumat. N'a pas eu. Au bandelem n'a musica. Grand prêtre n'a eu. Parce que deuxième fois, c'est l'ini. Au réalisé. Est-ce que tu comprends le logo? Bien aimé, c'est très important. Même le miracle, même la maturité, même la croissance chrétienne, même la capacité à bénéficier de tous les éléments du culte, même la possibilité à grandir spirituellement, dépend de cet aspect, de réaliser la présence de Dieu. Pourquoi il faut réaliser la présence de Dieu? Parce que Dieu peut être présent sans se présenter. Est-ce qu'on peut avancer un peu là? Dieu peut être présent sans dire « Je suis là ». Dieu peut être présent dans une journée normale. Moi, j'ai changé couleur. Moi, j'ai changé la couleur. Mais je suis là. Alléluia. Dieu peut être présent sans se présenter. C'est pourquoi un jour, Jacob a dit, il a dit « Ah, certainement l'Éternel est ici et moi, je ne le savais pas. » Parce que biso to mesana ba sensibilité, ba sensation. N'oublie pas première test le baki, Dieu est esprit. C'est-à-dire Dieu fonctionne de l'invisible au visible. Du surnaturel au naturel. Du spirituel au physique. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de sentir pour savoir que Dieu est là. Tu n'as pas besoin de vibrations pour savoir que Dieu est là. Dieu a toujours été là. Toi, il faut réaliser sa présence. Quelqu'un dit un bon amen. Non, dis amen que le Saint-Esprit t'aide. Non, dis amen que tu arrives à réaliser cette présence. Dis amen que tu ne puisses pas rater la présence de Dieu. Alléluia. Oui, Dieu c'est comme le soleil. Tout dépend de comment tu es sensible. Dieu est toujours là. Il est là pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas au même degré de sa présence. Alléluia. Parfois, Dieu utilise le langage des hommes pour nous faire comprendre certaines réalités. Mais en fait, Dieu a toujours été là parce que Dieu est esprit. Il dit à Israël, « Je suis descendu. » En réalité, il n'est pas descendu. Il explique le langage des hommes pour nous faire comprendre qu'il commence à agir en fait. Parce que descendre, c'est quitter un niveau supérieur vers un niveau inférieur. Celui qui descend n'est plus là où il était avant. Or, Dieu peut descendre tout en restant là où il était. Dis à ton voisin, réalise. Bien-aimé, lorsqu'on comprend ces choses, on comprend que la présence de Dieu est une réalité spirituelle. Quand il dit « J'ai vu Dieu face à face », il veut dire « J'ai été dans la présence de Dieu. J'ai réalisé la présence de Dieu. Et j'ai bénéficié de cette présence. »
La présence de Dieu est une réalité spirituelle. La présence de Dieu, il faut la réaliser. Réaliser, c'est être conscient que là où je suis, Dieu est là. Réaliser, ce n'est pas oublier Dieu, où que tu sois, quoi que tu fasses. Réaliser. Et lorsque tu mènes ta vie dans cette dimension-là, alors tu vas bénéficier de la présence de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Alors, quelques bénéfices de la présence de Dieu à la lumière de ce texte. Premièrement, la présence de Dieu nous fait découvrir notre véritable identité, notre vrai moi. Notre vrai moi. Quelqu'un peut dire le vrai moi. Pourquoi le vrai moi? Parce que Jacob a eu beaucoup de face à face dans sa vie. Jacob a vécu plusieurs face à face. Premièrement, il a été face à face à son frère dans le ventre de sa mère. C'est un jumeau, Jacob. Ils étaient face à face. Et puis le jour de la sortie, normalement, c'est son frère qui est sorti. Mais lui, le deuxième, il est tellement compliqué que Dieu a dit, le deuxième va assujettir le premier. Ils étaient face à face avec son frère. Deuxième face à face, il a été avec son frère le jour où il a usurpé le droit de naissance à cause du manger. Il a volé le droit de naissance. Il a récupéré le droit de naissance. C'est pourquoi Sozana Nzala, Keba na Maramolo, n'a pas de décision aux autres. Vous avez des choses à vous sentimenter. Alléluia. Il a été face à face avec son père le jour où il a menti son frère, son père. Il dit, je suis Esaü. Il a été face à face avec une femme qu'il n'avait pas choisie le jour du mariage. Bah, face à face, c'est belé. Hein? Chaque face à face, il y en a l'autre, il y en a l'autre. Jusqu'à ce qu'un jour, il a été face à face à l'Éternel, Dieu des armées. Tous les face à face étaient, soit il est menti, il a menti, soit il a été menti, soit il a fait ceci. Mais le seul face à face qu'il a changé, c'est le face à face avec Dieu. Alors, est-ce qu'on peut avancer un peu là? Avec tous les face à face, il est resté Jacob. Le seul face à face qui a changé son nom à Israël, c'est le face à face de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, la seule identité dont tu as besoin, ce n'est pas celle que les hommes te donnent, mais celle que Dieu te donne dans sa présence. Le vrai toi se trouve dans la présence de Dieu. Le plus grand bénéfice de la présence de Dieu, c'est que dans la présence de Dieu, on découvre notre véritable identité et notre véritable mission. Parce que, frères et sœurs, dans ce monde où nous sommes, nous avons plusieurs mois. Nous avons ce qu'on appelle le mois. Le mois officiel, c'est quoi? C'est le mois que tu affiches devant tout le monde. C'est le mois que tu affiches, qu'on affiche à l'église. Le dimanche, en cravate. Salut mon frère, salut ma sœur, que Dieu te bénisse. Oh, que la gloire de Dieu repose sur toi. Ça, c'est le mois officiel. Le mois que tu veux que tout le monde connaisse. Le mois, hein, un peu enveloppé. Oh ma sœur, que la gloire de Dieu soit sur toi. Amen mon frère. Tu vois le mois là qu'on adore. Tu lèves ta main, tu pleures. Oh, nalinga kayoé. Alinga kayoé. Wana mwe webi gena la ti mwa bien na ti mwa make-up mwa simple. Marambeza bien boy. Le mois officiel. Le mois officiel. Le mois officiel, c'est la photo que tu choisis là pour publier. Ça c'est le mois officiel. Parce que quelqu'un a dit ceci, hein. Quand tu choisis tes photos dans ta galerie pour publier, la photo que tu ne veux pas publier là, c'est ton vrai visage là. Alléluia. Le moi officiel, c'est ce que les hommes connaissent. Toi aussi tu connais. Dieu aussi le voit.
le mois officiel. Quand je prêche là, je parle en langue, je chante, je suis à genoux. Frère, c'est le mois officiel. Jacob avait aussi son mois officiel qu'il présentait aux gens. Il a dit à son père, je suis Ésaü. Il fait un peu semblant le mois officiel. Après, il y a un mois qu'on appelle le mois réel. Quelqu'un peut dire le mois réel. Le mois réel, c'est ce que toi-même tu connais de toi-même. Et c'est ce que Dieu connaît de toi-même. C'est ce que le diable connaît de toi-même. C'est ce que ta conscience te dit que tu es. Ça, c'est le vrai toi. Le vrai toi, c'est ce que les hommes ne connaissent pas forcément. Le vrai toi, c'est quand tu refuses de te regarder au miroir. C'est le vrai toi. Oui, le vrai toi, c'est, tu vois, quand tu regardes le film, la partie là, quand on est tous au salon, tu zappes ça. Mais quand tu restes seul, au fumoli mumamusu, au talara parti wana, parti au talara wana, n'est le vrai toi yango wana. Le toi réel. Alors, amen à bien, go. Le toit réel, sur Rosana Batou, na téléphone na yo, vidéo na so il ngébima, ou le tiens en bas, piou, piou, piou. Au tiens vidéo adorant l'éternel. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es face à face à Dieu, le vrai toi va se révéler, le toit réel. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Vous savez, un jour, il a dit à son père, je suis Ésaü. Mais ce jour-là, quand il était dans la présence de Dieu, Dieu lui a posé la même question que son père lui avait donnée, posée. Son père lui a demandé, qui es-tu? Alors dans la présence de Dieu, on ne cache pas le moi réel. Il regarde Dieu, il dit, je suis Jacob. Ça signifie, je suis le trompeur, je suis l'usurpateur, je reconnais que je suis le menteur. Je ne suis pas Ésaü, je ne suis pas mon frère. Dans ta présence, je ne veux pas me cacher. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie, le jour où tu réalises la présence de Dieu, ne cache pas le vrai toi. Ne cache pas le toi réel. Tu peux nous présenter le toi officiel, tu peux nous brandir le toi officiel que tout le monde voit. On ne suspend pas le toit officiel. On ne blâme pas le toit officiel. Mais j'aime la conscience. La conscience ne te connaît pas. La conscience connaît qui tu es réellement. Quand tout le monde t'appelle révérend, ta conscience t'appelle escroc. Au moins, ce qu'on a vu, c'est-à-dire, au terminal, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Conscience, nous avons dit que nous sommes différents. Nous avons dit que nous sommes sortis. Nous avons dit que nous sommes taxi. Conscience, nous avons dit que nous sommes sortis. Nous avons dit que nous sommes sortis. Nous avons dit que nous sommes sortis. Avenir, nous sommes sortis. Nous avons dit que nous sommes sortis. Nicolas va sentiment mike. On est au bout des cac. Voiture est dans le climatiseur, mon zoo transpiré. Le vrai combat, c'est le combat avec toi-même. Je dis à quelqu'un, si tu entends encore cette voix-là aujourd'hui, ça signifie que le Saint-Esprit fonctionne encore en toi. Parce qu'il y a des gens qui ont étouffé cette voix-là, qui ne l'entendent plus. Le moi réel. Le moi réel, c'est ce que le diable utilise parfois pour t'accuser. Mais ce que j'aime dans la présence de Dieu, il y a aussi ce qu'on appelle le moi potentiel. Quelqu'un peut dire le moi potentiel. Ah, dis-le bien, dis le moi potentiel. Le moi potentiel, c'est le moi que toi-même tu ignores. Même que le diable ne connaît pas. Même tes amis ne connaissent pas. Mais que Dieu sait que tu deviendras si tu t'attaches à lui et que tu réalises sa présence. Ah. Le moi potentiel, c'est l'Israël qui est caché de ton père. Ton père ne connaît pas une dimension d'Israël que tu as en toi.
Laban ne connaît pas la dimension d'Israël que tu es en toi. Léa ne connaît pas la dimension d'Israël qui est en toi. Même toi-même, tu ignores ce que tu seras. Tu ignores qu'en toi, il y a des potentiels. Toi, tu ne connais que le moi officiel. Toi, tu ne connais que le moi réel. Mais je viens t'annoncer ce soir qu'il y a un moi en toi que tu ignores. C'est le moi potentiel. C'est ce que Dieu amène aux hommes. Ce soir, je lève ma main droite et je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a un toi potentiel. Je dis un toi potentiel. Il y a des choses en toi que toi-même tu ignores. Ne te néglige pas, ne te décourage pas, ne te sous-estime pas, ne pense pas que c'est fini pour toi. Reste dans la présence de Dieu. Réalise la présence de Dieu. Les jours où tu vivras dans la présence de Dieu, au temps fixé par lui-même, il viendra vers toi et il te dira, tu n'es pas seulement l'usurpateur, tu n'es pas seulement le menteur, tu es aussi Israël. Oh mon Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne sois pas pressé de me rejeter. Je suis encore Israël. Oh, ne chasse pas le Jacob qui est avec toi. Parce que si tu chasses le Jacob, peut-être qu'en lui, il y a un Israël. Ne chasse pas Saul de Tarse. Parce que derrière chaque Saul de Tarse se cache un apôtre Paul. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous découvrons notre véritable mission. La présence de Dieu. Moïse ne savait pas qu'il avait un moi au potentiel en lui qui s'appelait libérateur. Dieu a dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Donc j'avais aussi le potentiel d'être Dieu. Je ne le savais pas. Pendant 40 ans en Égypte, il ne savait pas. Pendant 40 ans dans le désert, il ne savait pas. Le jour où il a rencontré le Dieu du buisson ardent, il a découvert en lui une dimension de Dieu qu'il ignorait. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. Non, un peu plus fort, la présence de Dieu. Ce jour-là, quand le prophète est venu, il voulait oindre le roi. Tout le monde était présent dans la présence des hommes. Mais David était absent de la présence des hommes, mais présent dans la présence de Dieu. Et la royauté a quitté la présence des hommes pour le chercher dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David a dit, je demande à Dieu une seule chose que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Il y avait un lui potentiel qui lui-même ignorait, c'était le lui du roi. Il ne pouvait pas imaginer ça. Il ne pouvait pas imaginer qu'il serait roi. Mais le moi potentiel est venu vers lui à cause de son attachement à la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne sois pas trop présent dans la présence des hommes. Pasteur, vous savez pourquoi l'armée d'Israël a tremblé devant Goliath pendant 40 jours? Parce que pendant 40 jours et 40 nuits, ils étaient dans la présence de Goliath. Ils écoutaient Goliath. Mais celui qui a défié Goliath est celui qui n'était pas en face de lui. Pourquoi? Parce que celui qui sort de la présence de Dieu est capable de voir ce que tout le monde n'a pas vu pendant 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un peut crier la présence de Dieu. Non, dis plus fort la présence de Dieu. Dans la présence des hommes, Moïse était ordinaire. Mais lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, il a commencé à briller dans la présence des hommes. Je dis à quelqu'un, tu brilleras dans la présence des hommes. Je dis, tu brilleras dans la présence des hommes. Je dis, tu brilleras dans la présence des hommes. Tu apporteras ce que les hommes n'ont pas, mais qu'on reçoit seulement dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. Non, dis avec moi la présence de Dieu. Les talents s'aiguisent dans le secret, mais s'exercent dans le public. Il y a Coupe du Monde. Il faut que la balle libanda, place monote, la présence ensemble. Et un jour, ce Dieu-là du secret te placera devant les hommes. Je parle à quelqu'un ce soir, je dis à ma sœur, même si les gens ne croient pas en toi, reste dans la présence de Dieu. Même si les gens se moquent de toi, reste dans la présence de Dieu. Même si tout le monde t'appelle Jacob, reste dans la présence de Dieu. Même si tout le monde t'appelle voleur, reste dans la présence de Dieu. Tu sortiras de là avec une nouvelle identité. Je vois un frère ici sortir de la présence de Dieu avec une nouvelle identité. Quelqu'un peut crier la présence de Dieu. Non, dis plus fort la présence de Dieu.
L'erreur que ces gens avaient commise, c'était d'amener cette femme surprise en flagrant délit d'adultère dans la présence de Jésus. Si c'était ailleurs, elle pouvait être lapidée. Et son histoire serait finie. Mais l'erreur qu'ils ont commise, Bah, évitez que dans la Bible il est écrit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secouru. Ils ne le savaient pas. Quelqu'un peut crier la présence de Dieu. Non, soyez avec moi, dites la présence de Dieu. La Bible dit, tout le monde le condamnait par la loi de Moïse. Il le condamnait par la loi de Moïse. Mais la Bible dit, ils étaient eux-mêmes condamnés par leur conscience. Si tu regardes l'image de ce jour-là, tu verras tous les hommes debout avec la pierre. Et tu verras deux personnes assises. Et les deux personnes, c'est Jésus et la femme surprise. Parce que dans la présence de Dieu, nous découvrons la réalité d'un Dieu à genoux. Il s'est humilié pour partager la souffrance de cette femme. Il s'est rabaissé pour partager l'humiliation de cette femme. Il a dit, tout le monde peut se lever avec la pierre. Je serai le seul à être couché avec toi ici dans la souffrance. Et il a dit à cette femme, et dit, moi non plus je ne te condamne pas. La Bible dit, lorsque Jésus a dit aux hommes, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il lève la pierre le premier, ils se sont retirés l'un à l'autre, du plus grand au plus petit. Et Jésus a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Dans la présence de Dieu, il y a une seconde chance. Il dit va, va signifie, tu veux refaire ta vie, va. Tu veux te marier encore, va. Tu veux devenir politicienne, va. Tu veux devenir prophétesse, va. Tu veux exercer un ministère, va. Tu veux être une femme d'affaires, va. Oh, tu veux faire quoi dans la vie, va. Tu veux être artiste musicien, va. Je dis à quelqu'un, dans la présence de Dieu, ce que les hommes ne t'ont pas autorisé, Dieu peut t'autoriser. Ah, quelqu'un peut crier la présence de Dieu. Non, dis avec moi la présence de Dieu. Ce jour-là, il n'avait que deux pains, et cinq pains et deux poissons. Si c'était resté dans la maison, ça allait rester cinq pains et deux poissons. S'il avait mené à Pierre, ça allait rester cinq pains et deux poissons. S'il avait amené à André, ça allait rester cinq pains et deux poissons. Mais la grâce de ce jeune homme, c'était d'amener ce qu'il avait de peu dans la présence de Jésus. Dans la présence de Jésus, 10 devient 100. Dans la présence de Dieu, 100 devient 1000. Dans la présence de Dieu, 1000 devient 10 000. Dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne sois pas pressé de courir derrière les hommes. Cherche la présence de Dieu. Travaille la présence de Dieu. Le peu de grâce que tu as va se multiplier. Le peu de talent que tu as va se multiplier. Le peu d'argent que tu as va se multiplier. Le peu de relations que tu as va se multiplier. Quelqu'un peut crier avec moi la présence de Dieu. Non, dis plus fort la présence de Dieu. Pasteur, l'erreur que ces gens avaient commise, c'était de crucifier ces voleurs dans la présence de Jésus. Avant lui, il y avait beaucoup qui étaient crucifiés. Avant lui, il y avait beaucoup qui étaient sur la même croix. Mais ce jour-là, la grâce était non seulement d'être crucifié, de crucifié dans la présence de Jésus. Alors, lorsque le voleur a réalisé, n'oubliez pas réaliser. N'oubliez pas. Parce qu'ils sont à deux, n'est-ce pas? L'autre ne réalise pas. Mais lui, il fait quoi? Il dit, il commence même à attaquer son frère. Il dit, toi, tu ne connais pas Dieu. Toi, tu ne crains pas Dieu. Cet homme est un saint homme de Dieu. Il ne mérite pas la souffrance. C'est nous qui méritons la souffrance. Vous savez que c'est la louange et l'adoration de la présence de Dieu. Il est en train d'élever l'innocence de Jésus. Il est en train de dire, tu ne mérites pas la mort. C'est nous qui méritons la mort. Tu es un saint homme de Dieu. Et lorsqu'il termine ça, ainsi voleur en affaire d'Azaï Kinoa. Tant qu'il y a un saint homme de Dieu, il y a un saint homme de Dieu. Tu ne mérites pas. Est-ce que tu m'as roté le match?
Ma gêne, bazar, ouais, toi, tiens, ça, le roi qui noie, Ça dit, tant que vous avez mis, vous avez mis, grand prêtre, souviens-toi de moi. Souviens-toi que nous tombons dans la présence de Dieu. Souviens-toi que malgré ma croix, na lobi osa mon santu. Souviens-toi que malgré ma zoube, na ndibi osa mon zambe. Souviens-toi de moi. J'aime la réponse de Jésus. Jésus lui a dit quoi? Il a dit quoi? Non, dis plus fort. La réponse de Jésus, c'était quoi? Non, il a dit quoi? Non, pas ce soir. Regarde-moi la Bible. Il dit quoi? Il dit quoi? Aujourd'hui. Ah, quelqu'un dit aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. La présence de Dieu provoque les aujourd'hui de Dieu. C'est pourquoi ne commence pas ta journée en pleurant. Ne commence pas tes journées par des lamentations. Ne commence pas ta journée par des soucis. Commence ta journée en élevant le roi de gloire. Lorsque tu vas l'élever dans sa présence, après tu vas lui dire, souviens-toi de moi. Mais ça, mon ta mais souviens-toi. Potentiel qui t'entend. Dans la présence de Dieu, il y a un moi que seul Dieu connaît. Les hommes ne le connaissent pas. Les hommes t'appelleront toujours Jacob, usurpateur, voleur. Mais Dieu, il te réserve un Israël. Et ce soir, je vois des Israël en ce lieu. Je vois des sœurs Israël. Je vois des frères Israël dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Sa louange sera.